Quand on est européen et qu'on arrive pour la première fois au Japon, on peut très facilement être perdu. Déjà parce que tout est écrit en japonais, ensuite parce que le pays a ses petites habitudes qui lui sont propres. Ainsi, il y a forcément un endroit précis à un moment donné où vous allez vous sentir très très seul, les toilettes. Tout d'abord, les normaux. Pas besoin de nous faire un dessin. On fait ce qu'on a à faire, on s'essuie et on met les voiles. Ensuite, on a les chiottes que nous appellerons chiottes chelou. Quand on débarque, on ne sait pas vraiment comment grimper la bête. Est-ce que c'est un urinoir? Est-ce qu'il faut se mettre devant, derrière, debout, assis? Bref, c'est la merde. Et le meilleur pour la fin, celui qui te lave quand t'as fini. Pour ça, 5 boutons. 2 boutons pour la sélection du jet, 1 pour la puissance, 1 réservé aux demoiselles et 1 bouton stop pour que ça s'arrête. Le problème, c'est que je crois que j'ai pas vraiment donné cette version à Kev. Je jure que ça marche comme ça? Mais oui.